Get the inspector. L'ombre du mal, The Raven dans sa version originale, est un film qui retrace les 5 derniers jours de la vie d'Edgar Allan Poe. On voit l'auteur lancé sur la piste d'un serial killer qui s'inspire de ses romans pour commettre ses crimes. The daughter's body was lodged in a chimney. The mother's head severed with a straight razor. You're referring to one of my stories. Luke Evans joue le rôle du détective Fields. C'est un thriller gothique, un récit imaginé des 5 derniers jours de la vie d'Edgar Allan Poe. Si vous aimez Edgar Allan Poe, vous allez aimer le film parce que le meurtrier reproduit les meilleurs crimes qu'il avait écrits. Et si vous n'avez jamais entendu parler d'Edgar Allan Poe, vous allez aussi aimer parce que c'est une fiction, un thriller, et ça va vous tenir en haleine. Le film rend hommage au plus célèbre conte de Poe, dont Le Puits et le Pendule, Le Cœur Révélateur ou encore L'Enterrement Prématuré. John Cusack interprète l'auteur mort à 40 ans à Baltimore. Why am I to blame? Where were all these officers last night? Where were you? Il était en très mauvais état à la fin de sa vie. C'était un véritable génie, mais il avait une sensibilité exacerbée. Si vous regardez ce genre qu'il a créé, si vous comparez avec des séries comme CSI ou encore Sherlock Holmes, ou encore avec des films d'horreur, même ce film que j'ai fait, Chambre 1408, adapté de Stephen King, et inspiré de Rod Serling. En fait, tous ces films, toutes ces séries nous ramènent à Poe. Based on Rod Serling and some of his metaphysical mind traps movies, and even those always come back to Poe. Il faudra attendre la fin du mois de juin pour voir planer cette ombre du mal sur les écrans français. Oh.